Quel chapitre vous avez trouvé le plus éprouvant à écrire? I never thought about the chapters, and they were never difficult in terms of my own experiences. They were more difficult technically often. When I wrote about something that was very personal to me, for instance, when I was blown up, when I was writing well, I would have a sort of physical feeling as if of being, you know, I'd be reliving the experience a little bit. And I'd leave the library and get in the car. But at those moments, I'd think, well, that's probably a good day. A good day's writing, if I'm reliving it. Hopefully the reader will feel some of that. En fait, je n'ai pas réfléchi au chapitre comme cela. Donc j'écris avec mon expérience à moi dans chaque chapitre. Et ce n'était pas ça la chose la plus difficile pour moi. La chose la plus difficile, c'était des aspects plutôt techniques. Il y avait quand même le chapitre où j'écris l'explosion que j'ai subie qui était difficile. Mais ces expériences-là me motivaient. Et lorsque j'étais à la bibliothèque et j'écrivais et je trouvais que ça allait bien, et puis après je rentrais dans ma voiture et je rentrais à la maison, je revivais l'expérience que je venais de décrire dans le livre, et c'est un bon sentiment. Pour vous, qu'est-ce qui vous a apporté l'écriture de ce livre sur le plan personnel? A bit of a career for the time being. But I think it has allowed me to think about conflict differently. I often say that the book wasn't therapy. I didn't write it for therapeutic reasons. I wrote it because I wanted to do something creative. But if you spend a year really thinking very hard about conflict, then at the end of it you do have a different understanding. And I think it's changed the way I felt as a soldier, and it's allowed me to sort of assimilate or compute all of my ideas about conflict and put them in one place. Donc qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné une carrière, une nouvelle carrière, et ça m'a permis de réfléchir aux conflits de manière différente. Mais je dis très souvent que je n'ai pas écrit ce livre comme une sorte de thérapie, ce n'était pas le but. Surtout, ce que je voulais faire, c'était de créer quelque chose. Et je pense qu'en écrivant ce livre, ça m'a permis de réfléchir différemment à propos du conflit, d'avoir une compréhension qui est différente de ce conflit. Je pense que ça a changé la façon dont je me sentais en tant que soldat. Et écrire ce livre m'a également permis d'assimiler cette expérience, de calculer, d'assimiler tout ça. Alors, pensez-vous que l'écriture met en ordre les idées et répond à les questions qu'on se pose? Est-ce que l'écriture... Of course it allows you to, allows you to organise your thoughts in a certain way, but it can also become a real challenge and be a struggle and can lead to new ideas that you didn't have before. So I think it can be both things, especially when you're struggling to make a book work. Oui, tout à fait. Donc, cela vous permet de mettre un peu d'ordre dans les idées, dans les choses. Mais c'est quelque chose qui peut être difficile. On peut lutter un petit peu avec cela. On peut lutter parce que ça apporte de nouvelles idées, donc on lutte avec ces nouvelles idées.
Donc il y a les deux côtés. Cela permet de réfléchir, de mettre dans l'ordre, mais en même temps, cela fait apparaître d'autres choses et il faut réfléchir à ces nouvelles choses. Et les deux doivent fonctionner pour que le livre fonctionne. Pour revenir au livre, les noms et les prénoms des personnages ont-ils été choisis au hasard ou c'est des noms appartenant à des personnes ayant vécu en Irak ou en Afghanistan avec vous? Yeah, they're all completely fictional. I research names and both British and Afghan or Middle Eastern and sort of pick names that I thought sounded good or weren't too obvious or, you know, so it was, and often there would be a name in the manuscript that I changed very late. You know, I had been writing about a certain character and then I changed their name right at the very end. In fact, Tom Barnes was called something else for most of the writing process. En fait, tous les noms dans le livre sont des noms fictifs. J'ai fait un peu de recherche sur les noms pour pouvoir les choisir. Les noms à la fois britanniques et aussi les noms du Moyen-Orient, les noms afghans. Je voulais des noms qui sonnaient bien et je voulais des noms qui n'étaient pas trop courants ou simples aussi. Et parfois, en écrivant, voire à la fin, j'ai changé les noms de certains personnages, par exemple Tom Barnes, le personnage principal, s'appelle tout à fait autre chose. J'ai changé son nom à la fin. Comment vos proches ont-ils réagi quand ils ont lu votre livre? How did your friends and family react when they read it? I gave it to my dad first, actually, because although it's fiction, it's obviously quite close to what my whole family experienced together. So I felt that I had to give it to him in order that he was happy with it, and because I knew people would think that was our story. En fait, je l'ai donné tout d'abord à mon père, parce que même s'il s'agit de la fiction, ça décrivait quand même des choses qui nous étaient proches, des choses qui étaient proches de la famille. Et donc, je voulais lui donner le livre en premier. Et il fallait qu'il soit content de ce livre. Et donc, je voulais avoir sa réaction à lui d'abord. I remember thinking, after about 2 weeks, when he hadn't got back to me, I was like, how does it take someone to read a book? And then he read it, and he just sort of said, it's quite a thing, isn't it? Should be a quote on the cover, Harry's dad, it's quite a thing. Donc je me souviens que je me disais, mais bon, ça fait deux semaines et je n'ai toujours pas de nouvelles. Combien de temps faut-il pour lire un livre finalement? Et finalement il l'a lu et il m'a dit, it's quite a thing. Alors je ne sais pas si vous pouvez traduire ça, vous êtes nombreux lycéens. C'est pas mal comme chose, mais c'est pas rien. Ça veut dire c'est pas rien. Voilà, et en fait, on devrait mettre ça peut-être au début du livre, donc la citation du papa de Harry Potter. But you have, I think, more seriously, when I gave it to lots of people to read, you suddenly realize that people are saying lots of different things about it. And if you listen to all of them, you'd have no book left. And I suddenly realized that, because people like different things, and I suddenly realized you have to stick to what you think's right, but also, I think, mainly listening to what people like and not what they don't like is the best way of doing it. En fait, j'ai donné le livre à pas mal de personnes pour qu'ils le lisent. Et donc, pas mal de personnes, donc ça veut dire pas mal de réactions différentes. Et donc, ils me disaient des choses diverses et variées à propos du livre. Enfin, leur réaction était très différente. En fait, mon conseil, c'est si on fait cela, après,
ce dont il faut retirer, c'est surtout ce que les gens aiment. Parce que si on écoutait tout, si on essayait d'assimiler toutes les remarques, il n'y aurait plus de livre, on changerait tout. Eh bien, c'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup.